des milliers d'hommes qui, sous la direction du général de l'Alta de Tassie, ont combattu avec bravoure. Originaire de tout l'empire colonial français, qui venait entre autres de l'Afrique subsaharienne, c'est dire que la contribution de l'Afrique a été significative pour rompre les chaînes de l'occupation allemande. Une occupation dure, une occupation liberticide dont les troupes avaient reçu ordre de tenir jusqu'à la dernière cartouche. C'est entre autres dans le but de lever les troupes en Afrique, alors considérées comme base potentielle d'une reconquête de l'Europe, que le colonel Leclerc est missionné au Cameroun. Le ralliement du Cameroun, l'un des tout premiers, est aussitôt obtenu. Dès le 27 août 1940, les troupes dont le colonel Leclerc prend ici le commandement comptent beaucoup d'hommes issus de l'Afrique équatoriale française et du Cameroun. C'est de la ville de Douala que partent les expéditions. Ils ont, en revanche, payé un très lourd tribut pour la victoire. Des combattants exemplaires, ils ont été les artisans de la victoire. Leur sang est à jamais mêlé à d'autres sangs. Sans l'alliance sacrée des volontaires, sans la contribution des autres peuples, sans les étrangers, sans les droits